on est de retour à l'antenne de CKRL pour le Radioton 2008. Et c'est toujours plaisant, mais enfin, on rappelle déjà quelques gens qui ont lâché des petits coups de fil. Continuez enfin à faire zigner la lumière en même temps, ça fait full ambiance. 640-15-86. On aime ça quand ça flash ici. Mais c'est clair. Ah, oui. Un peu comme Jean-Marc Parent. Hein. J'allais dire notre petit côté Jean-Marc Parent qui sommeille là. Mais c'est clair. Et qui se révèle actuellement. Exactement. Exactement. Et en fait, on jase philosophie peut-être un peu en même temps. Ah oui, dans une partie profondément dans l'âme humaine en fait. Et peut-être je vais lancer une question à Jack de Mosaïque aussi qui est pas trop loin. Je me demandais, on ouvre le micro en même temps. Bon, vous êtes ici avec nous autres à Radio Temps de CKRL. Pourquoi vous avez accepté de venir faire un tour ici? Ben, en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que bon, on a sorti notre premier disque il y a peut-être un mois et demi, puis on a vraiment senti que CKRL a embarqué dans notre trip, a fait jouer la toune dans ma zone. On a été quand même deux semaines en première position. On était même en première position, je pense, pendant deux semaines. Fait que ça, tu sais, quand tu commences, c'est pas toujours évident, puis de sentir qu'il y a du monde qui t'appuie, puis qui pousse, puis qui font jouer la toune, ça, c'est, pour nous, ça a été vraiment trippant. Puis la deuxième chose, je pense, c'est vraiment de voir qu'il y a encore des radios qui encouragent la relève, qui encouragent les gens qui commencent, qui n'ont pas peur d'oser, de faire jouer des choses différentes. Ça me fait vraiment tripper. Puis moi, j'écoutais l'émission en m'en venant de Montréal, là, puis je sais pas, je trouve qu'il y a de l'audace, je trouve que c'est le fun, je trouve que ça se prend pas pour d'autres mondes, puis ça, c'est trippant. Donc, d'encourager un projet comme ça, puis un événement où tu ramasses de l'argent aussi pour une bonne cause comme ça, c'est vraiment trippant, fait qu'on est content d'être ici. Et justement, puisque tu as mentionné, Jack, dans ma zone, la pièce, je me demandais en fait, bon, philosophiquement, parce que j'aime bien jaser paroles, voir un peu la philosophie derrière les paroles. Alors, je me demandais en fait, tu dis dans la pièce, et c'est les paroles qui viennent me chercher, tu dis balabai, bye, 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 bye. Et dans le fond, je me demandais en fait, pourquoi balabai, bye, 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 pourquoi pas shabadabada, pourquoi balabai, bye, bye. C'est super profond. Frank, oui, pourrait répondre peut-être à ça. Oui, ben approche-toi du micro, Frank. Hey, salut! Hey! Yes! Hey, c'est Frank! Hey, c'est Frank! Hey, c'est moi! C'est moi le gars qui court partout. Je joue des œufs dans le groupe. Mais justement, j'ai plus de bière, mais là, je peux pas courir, là, c'est plate. Oui, c'est quoi la question? Oui, ben pourquoi? Ok, j'ai ma question, si vous voulez que j'étais absent mentalement. Pourquoi ben la bye, 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 bye? Oui, très bonne question, alors je répondrai à la deuxième seulement. Non, ok, non, ça a parti avec une. La sonorité du bail, puis finalement, on a comme construit la toune autour de ça avec le bail, le gars qui dit ciao, je m'en vais dans ma zone, je rentre dans ma bulle, tout ça, bail tout le monde, je m'en vais, tu sais. Fait que ça a vraiment été construit autour de ça, mais ça a vraiment parti par exemple sur le bail avec un riff de git, puis on est parti sur vraiment juste la sonorité du bail, puis après ça, ben là, on a. Ça a fait oui, bye oui. Bye. Justement, Frank, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pour ça que Dans ma zone a été identifié meilleure chanson du concours au Festirock de. Ben, est-ce que c'est grâce c'est à ces bye 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 moi je suis convaincu, mais je les laisserai répondre là-dessus, je n'étais pas juge, mais tu sais, je pense en fait, que oui. Vous avez gagné ça pour la richesse c'est... des textes de cette chanson, ouais. Et je trouve que c'est quand même très important que vous ayez rajouté cette partie. Ouais, oui, ouais. C'est sûr que sans le bye bye, le texte perd tout son sens. Là. C'est clair, effectivement. Avec les shabadabadabada, c'est pas la même chose. Shabadabada était la même chose, on n'aurait pas parlé de ça. Tu sais, Grégory Charles, la shabada. Il y a du Aristote là-dedans, il y a une recherche philosophique. Ou un peu un homme et une femme, Claude Lelouch, quelque chose. Mais justement... Quand côté musique, en fait, puis si on jase un peu, je me suis monté sur ma chaise, moi je vois le monde, je trône, et je m'approche de mon micro en bonus, yes, et Jean-Louis me touche la cuisse, moment au moins érotique. Oh! Comme une âme, ce soir. Yes. Ok, ça c'est bon, les filles, comme une âme. Ok, donc là il y a Nico qui vient de revenir aussi. Très sérieux Nico, l'air oui. Sévère. Mais c'est vrai, Il n'a pas eu ses boules, il n'est pas content ce soir Nico. Est-ce que tu t'en remets Nico, prends le micro vert un peu là. Est-ce que tu t'en remets de cette déception là ou... Bah, moi je trouve que le micro vert il est cool là. Déjà que t'es parti à 6h du matin ce matin de Montréal. Sur le pouce. Pour venir. Ouais c'est ça, et puis, c'est compliqué quand même de venir. Parce que j'ai comme pogné le pont. Ouais. J'ai attendu 4-5 heures avant de pogner quelqu'un. J'ai pogné comme justement une fille qui avait des jojo quand même assez de fun. Qui est justement là ce soir. Oui, elle est là. Elle s'appelle comment aussi. Ben, j'ai perdu comme 50 pics quand c'est là. Jojo. Je te jure, je suis allé en chercher un tantôt. Puis ça sent. Mais on dit toujours dans un party de gars, il faut parler de filles. Est-ce que les filles, c'est quelque chose qui vous inspire dans la création pas mal? Dans la vie en général, c'est pas la place des filles là-dedans? Là. Non. Moi, je trouve que non. C'est pas une inspiration pour moi. Là. Non, une aspiration, non. Non. Ben, y a comme le réalisateur qui me demande de vous poser une question. Il me dit que je suis pas game.
Ah ouais. Oh, ben, ah oh, ouais. Yes. Il demande si il y en a-tu des gays. Ouais, toi. Toi, oui. Dis ça par moi, dis ça par moi. Dire, moi, c'est de la bisexualité, c'est pas de la gaietitude, ah, c'est de la bisexualité. Ah, qu'est-ce qui est déçu? Malheureusement. On est plus... qu'est-ce qui est déçu? Moi, je suis déçu. J'aurais tellement aimé. Me pogner le frère d'Ariane Moffat, quoi. Hey, oh! Oh! Fallait qu'il plug, c'est fallait qu'il plug. Oui, 640-1586, si vous voulez nous appuyer, nous donner, nous lancer des questions aussi, à demander à cette gang de sympathiques personnages. Et peut-être Nico, Jack, on pourrait changer, faire le switch de position. Hey, non, mais moi j'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné mon album? Mon Dieu, pas pour l'info, on va faire un pitch, là. OK, mais moi je suis au 3, hein, par exemple, tantôt on parlait de ça. Trisexuel? Non, quand je me croche, je suis aux oiseaux. Hey, on va se lancer en prestation, Nico. Nico, si tu veux prendre ta guitare. On peut faire peut-être. Nico, si tu veux, tu peux prendre la place de Jack juste dans le coin ici. Jack and the Black. Yes. Alors, on va se lancer en prestation. Je vous rappelle qu'on est en plein cœur du Radioton. C'est carré le 27e Radioton. C'est quand même surtout le 35e anniversaire. 35e anniversaire. C'est carré cette année. C'est pas rien. Et en plus, on a plaisir, Jean-Louis, d'être avec deux groupes qui ont été au sommet des palmarès de C'est carré. Deux artistes mosaïques, Nico Lelièvre. Et les gens peuvent donner, peuvent appuyer encore, il y a toujours moyen d'appeler. En plus, on a un petit peu de guitare touchant, là, fait qu'on peut plugger là-dessus. N'oubliez pas, appelez-nous 640-1586 ce soir. Et sinon, 640-2575 à partir de demain matin, 8h. Oui, mais là, 640-1586. Ce soir, c'est 640-1586. Et Nico, qu'est-ce que tu nous chantes? Les gens. Les gens. Les gens, les gens et les gens et les gens. Fermez la lumière, s'il vous plaît. Oh. Alors on se lance en musique à l'antenne de CKRL, Nico Lelièvre, accompagné de Mosaïque.